Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une deuxième partie de Rayman 1. Donc ce sera une vidéo partie. Et attention, car je suis quand même déjà rendu, on va dire, assez loin. Et comme vous l'avez vu dans la précédente partie, eh bien, j'avais pas mal galéré. En tout cas, dans le niveau... dans le monde 2. Et un peu dans le monde 1 aussi. Ce niveau est pas mal aussi. On fait du skateboard à moitié. Ou plutôt du patin à glace. J'ai délivré cela. Je viens de me rendre compte en rechargeant la partie que je suis rendu qu'à 8%, mais je pense que ça compte énormément sur les bonhommes vieux, les bonhommes roses. Comme il y en avait ici aussi. J'ai essayé de les avoir. Bon, la flemme en fait. Quoique... il faut quand même essayer. Bon, je pense qu'il fallait déjà prendre énormément d'élan là-bas. Donc je vois pas comment je vais faire. Donc bon, laissons tomber, je crois. Quoique... merde, je le sens pas cette affaire. Bon, laisse tomber. C'est trop galère pour moi. Enfin, je verrai ça quand... yeah! Enfin, je verrai ça quand... quand j'aurai fini ces vidéos parties. Et je vous ferai peut-être, si ça se trouve... bah, s'il y a un niveau qu'on débloque, hein, en trouvant tous les trucs roses, je vous montrerai peut-être ça. J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé sur internet, j'ai pas envie, je veux garder la surprise. Niveau assez original celui-là aussi. Donc vous voyez, il faut bien sauter. Car si on se plante comme je viens de le faire, eh bien, on doit tous retaper depuis le début. Oh, mais... bon, les trompettes, elles sont complètement fatiguées vu la gueule qu'elles font. Toujours des trucs aussi loufoques. Hein. Ce qu'il le dire. Oula, là c'est le plus petit. Ouais. Ah merde. Ouf. Je crois que j'allais mourir, mais j'ai eu tellement de chance que bah, je sais pas mort. Déjà, je vais essayer d'avoir le checkpoint si je peux. Je crois que c'est bon. Ah non. Avec la carrure de beau gosse de Rayman, avec le corps de beau gosse en dessous là. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, c'était tout simple. Voilà, pas mal de niveaux qui se démarquent comme ça. C'est vraiment sympa. Ça, par contre, c'est pas sympa. C'est pas sympa, ça. Tomber dans les pics. Ça, dans les notes de musique en pic. Allez, celui-là, il fait le contraire et... on voit que... qu'il souffre. Bah là je sais pas comment je vais faire pour avoir le truc. Quoique comme ça, on va tricher un peu. Ah voilà, fallait juste faire comme ça. Peut-être que pour le précédent, fallait faire ça aussi. Hein. Enfin, je sais plus trop comment il était placé. Oula.
D'accord, il se décide plus, donc bah, je vais y aller comme ça. Non, quoique, je crois qu'il y a une plateforme qui est un peu loin. Donc, vaut mieux l'utiliser. Ouais, d'accord, je crois qu'il est complètement épuisé, le pauvre. Bon, bah, il fait plus rien. Oh, merde. Je me disais bien, en fait. Oui, il va falloir utiliser la trompette. Parce que sinon, on tombe comme une merde. Bon, je crois que la one-up ne revient pas. Hein. Faut pas essayer. Est-ce qu'on peut les défoncer? Ah ouais. Pas mal. Je crois que je vais le faire plus souvent. Ah, et il n'y a plus le truc pour les... Il n'y a plus le... Les trucs roses. Ça veut dire que ça compte. Bon, c'est déjà ça de bien. Voilà. Il a enfin réussi à me pousser. Ou à me tirer plutôt. J'adore comment il... Comment il tombe. Salto avant. Et le... Yeah! Bon, je le fais peut-être mal. Ah. Phase de plateforme avec les tambours. Ah, il y a un truc là-haut. Ah, et ça, c'est pour une vie. Mais par contre, je sais pas comment on la voit. Oh, bah super. Bon, au moins, vous avez pu voir l'animation de Rayman quand il s'auto. Et qu'il tombe, quoi. Ah. Avec la voix digitalisée, qui rend bien. Je sais pas comment on peut aller là-haut. En fait, les one-up, au lieu d'avoir... Elles sont tellement dures à voir que, au lieu d'avoir une one-up, on perd plutôt une vie. C'est un peu con. Ah, j'ai cru qu'il y avait un nuage qui était apparu, parce que franchement, parfois, il y a des nuages qui apparaissent au dernier moment. Si jamais on entend un petit bruit... On a toujours rien. Bon, je me suis porté. Bon, je fais n'importe quoi. Bon, au pire, je m'en fous de cette vie. Je sais pas comment la voir. Et on s'en fout. Et je sais ce que je veux dire à cette vie. Je vais faire ceci. Voilà. Je tire la langue à cette vie et je m'en fous. Car j'en ai encore des vies et je viens juste de charger une sauvegarde, je suis sûr qu'il me reste 5 continues alors. Salto! Corps de beau gosse, sourire de beau gosse! Ah! Truc qui vient juste d'apparaître. Oh. Oui. Nouvelle plateforme, ça. Je vais devenir petit. Je vais devenir mini shroom. Merde. Je suis plus sensible aussi. Ouais. On est content. Ah là. C'est vraiment touchant et mignon de sauver ces petites créatures roses qui ressemblent pas à grand chose. Je les sens comment? Voilà. Le salto avant. Oh purée. Ah. Oh non! Ah bah je suis tombé. Tombé. Comme une bouse. Attention là, attention! Ah, il y a un truc là-haut. Ah, je suis curieux.
très curieux. Merde. Tellement curieux que, en fait, à chaque fois je reviens en arrière et je tombe. Ah bah non, il me reste plus qu'un continu. C'est étrange. Très étrange. Mais j'ai pas le... Ah si, c'est bon. Attention, attention. Je crois que c'était une one-up là-haut, je sais même plus. Je sais même plus ce que je voulais chercher. Mais je pense. Ah, je sais comment l'avoir. Bon, tu... ouais, voilà, c'est bon. Non, on peut pas passer. Ah, si, peut-être comme ça, là. Ah, mais tout simplement. Ah, mais non, mais j'ai rien. Oh, je suis con, c'était juste pour descendre. Bon, en fait, c'était pas un passage, on s'en fout, alors. Attention, là. Faut vraiment se concentrer, là, dans ces phases. Tout peut arriver. On peut tomber comme une merde, mais on peut réussir comme un dieu. Je pense plus que je vais tomber comme une merde. Quelle technique. Ah non, c'était une faute de ma part, ça nous donne pas seulement un point, ça nous donne tous nos points. Tiens, je savais même plus ça. Wow. Mode galérien. Bon oui, ça se voit. Je pense qu'on recommence encore au checkpoint. C'est magnifique. C'est de toute beauté. On est vraiment bien parti pour continuer l'aventure. Attention là. J'ai vu un P en dessous, mais j'ai pas trop envie de l'avoir, parce que si je tombe après... Ah, c'est pas mal, là. Je me débrouille. Oula. D'accord, je l'ai touché, mais ça m'a rien fait. C'était parce que son... Enfin, son... Comment on dit déjà? Son Hugboxine... Son... Je sais plus quoi. Purée! Sa Xbox, voilà. Sa Xbox est... est peut-être plus petite que ce qu'elle en a l'air. Après, il faut vraiment que je réussisse, là, parce que... Ça fait un moment qu'on est ici. Voilà, j'ai trouvé une technique. On s'accroche à chaque fois sur le truc, c'est mieux. Et il faut toujours utiliser les pouvoirs de la belle sorcière. Surtout le dernier pouvoir. Mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça va être? D'après Fireflav, c'est un pouvoir très étrange. D'après Fireflav, c'est... Merde. Je ne préfère pas le dire parce que c'est totalement con. C'est des blagues de cul de Fireflav. Vous pouvez voir cette blague idiote dans le rétro-test de Rayman que je mettrai sous la description peut-être. Oui, parce que je crois qu'elle a à peu près actuellement 125 vues. Oui, parce que la vidéo que je fais normalement est pour merde. C'est une vidéo normalement pour Noël. Donc la première partie que je posterai le 25 décembre, pour vous donner une idée quand on est là, et ben là on est le 30 novembre. Donc c'est un mois avant quand même. Et oui, je les prépare largement avant mes vidéos. Par contre, faut que je me concentre vraiment là. Parce que j'ai pas trop envie de tout recommencer après. Voyez-vous?
Surtout que on a des pains sur la planche, c'est tout ce qui reste après, comme niveau. C'est pas un ticket tac ce jeu. Ticket tac que l'on finit en 30 minutes comme vous avez pu voir ma vidéo. Exactement 23 minutes, je me suis fait toucher. Ouais, sur la hitbox est plus petite par rapport à la gueule. Enfin, par rapport à ce qu'on pense. À chaque fois je tombe ici. C'est quand même chaud ce jeu. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant en fait. Avec concentration. Je ne parle plus. La concentration est en moi. Je sens que je joue comme un demi-god. Peut-être même. Peut-être même comme une merde. C'est plutôt ça en fait. On le commence encore une fois. J'espère, je crois que c'est le dernier acte, on va dire, de ce niveau. Parce qu'après, s'il y en a un autre, ou s'il y a un boss, c'est pire. Ça, ça dépend s'il est facile comme celui d'avant. Ça va. Enfin, ça m'étonnerait parce que les boss d'après sont un peu plus durs, je pense. Merde! Je galérais pas autant avant, ici. Ah, voilà. Oh merde, mais... Oh, c'est pas vrai. Bon, bah... Moi, je pense plus qu'on va tout recommencer. Enfin, je crois que là, je vais aller... Et je vais vraiment pas aller vite. À la fin. On va remarquer l'effet quand... Quand un man vole, on voit ses cheveux, enfin ses espèces de cheveux, oui, c'est des cheveux. Sa crête, et bah, qui s'envole aussi. Enfin, qui crépite par le vent, si c'est le bon mot que j'utilise, je sais pas. Je ne suis pas un poète. Oui, bah, d'accord, hein. J'y vais tranquillement, mais je suis même pas encore à l'endroit où je voulais aller tranquillement. Bon, Raman n'est pas content. Et on recommence tout. Et on doit tout recommencer. C'est magnifique. Bon, moi je vous mets tout, hein. Je suis pas quelqu'un qui fait des trucs parfaits. Mais par contre, on peut pas avoir plus de... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Je veux pas copier moi. retour. Ah, il a le OK, Rayman. Voilà. Démarrer. Et c'est parti. Bon, je veux comme une merde. Bon, on s'en fout de l'image. Je sais même pas si on pourra avoir des continues après. Ça me fait peur cette histoire. S'il n'y a pas de continue, je suis un peu dans la merde. Bon. Quoique, je trouverai une technique pour avoir plus de vie. Car oui, on peut tricher, hein, je pense. On peut revenir dans les précédents niveaux et récupérer toutes les vies. Ce sera peut-être pas mal. Je ferai ça pour dans la prochaine vidéo. Enfin, pour la prochaine vidéo. Parce que je le ferai pas dans la vidéo. Parce que si on n'a jamais d'autres vies, si on n'a pas des vies à l'infini, ça peut être dur. C'est pas un système de sauvegarde, tout simplement. Un peu comme Donkey Kong Country, par exemple. Parce que Donkey Kong Country, c'est à chaque sauvegarde, et ben normalement, il nous redonnait quand même 5 vies.
Je pense aussi que ça sauvegardait les vies qui nous restaient si on en avait plus. Mais... avec Rayman, c'est plus difficile. La classe. Mais pas trop la classe parce que... parce qu'on recommence tout, ça me fait chier. Mais bon, je préfère tout vous mettre. Hein. Je sais pas, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous aimez ça, si... vous voulez que je mette tout, même si quand je perds et tout ça, ou que vous voulez que la vidéo soit parfaite. Je sais pas ce que vous préférez, mais moi je préfère être franc et montrer tout ce que j'ai fait. Tout mon périple, toute mon épopée on va dire, de ce jeu. Et de vous montrer tout ce qui s'est passé. Enfin, je me suis encore planté. Voilà. On saute. On fait le petit sourire de beau gosse avec la carrure de beau gosse. Et le corps de beau gosse. Qui tient une barre chocolatée, j'ai l'impression. Avec sa main droite. Enfin, sa main droite. De sa gauche. Ça va, je me débrouille. Là. Je me débrouille et je me plante. Là, je pense que c'est la fin du niveau. Bientôt. Ouais, je crois que c'est là. Ah, et c'est là. Yeah! La classe à la Firefly. Firefly, c'est peut-être là, hein, vous savez, quand il est content. Alors. Pas mal, pas mal. C'est quand même assez spécial les sauvegardes. Parce que ça... bah pour les vies c'est assez spécial tout simplement. Attends, j'ai envie d'avoir la... la cage, je veux pas tomber comme un con comme d'habitude. On saute pas haut quand on est petit. Et voilà le deuxième truc rose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est sans doute des lumps roses. En tout cas, l'apparition des lumps n'était pas encore apparue. L'apparition des premiers lumps, c'était dans Rayman 2. Car lumps... bah, vous allez savoir ce que c'est en gros quand je vous ferai peut-être une vidéo test sur Rayman 2. Oulala, oulala, oulala. Mode galérien. Voilà, grosse chance. Oula, là je me souviens, faut pas foncer. Voilà, on y va tranquillement. Et je suis sûr que c'est comme ça qu'on va réussir. Et c'était comme ça. Je crois que là, il y avait un ennemi qui m'avait popé dessus, non? Ah non, c'était... il pop après. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Voilà. Bon, c'est... il me reste plus que 2 vies, c'est rien du tout, et... voilà. Il vaudrait mieux que j'ai au moins 30 vies ou un truc comme ça. Franchement, le nombre de fois que je perds, c'est sûr que j'en aurai bien besoin. La technique du gros maboule. Du psychopathe. Non! D'accord. J'ai pas compris. Comment je suis tombé là? Je suis juste retourné et je suis tombé. C'est bizarre et pourtant j'ai même pas avancé.
C'est très étrange. Pour un temps, on est sur ces espèces de trucs qui glissent, là. Bah, c'est sur de la glace, tout simplement. Enfin, quoique, je sais pas trop ce que c'est, parce qu'on dirait pas trop de la glace en regardant comme ça. C'est sûr plutôt quelque chose de très lisse, et qui a été nettoyé il y a 2 secondes. Ils ont dû se faire chier à nettoyer ces trucs-là, parce que... Oh, il y en a qui sont vraiment petits. Et qui sont dans les airs. Donc je me demande comment les dames de ménage ont fait ça. Bon, j'arrête de dire des conneries. On part un peu dans du n'importe quoi quand on fait que de perles. Attention, attention. Je crois qu'en plus il y a un truc pas mal. Là où l'ennemi pop. Ouh là, il vient vers moi ce con. Voilà la batterie. Que je vous ai pas trop montré. Dans la première vidéo. Je savais pas que les vies pouvaient être aussi importantes. La classe. À la Rayman. Et on est parti. Pour un bonus avec une musique assez loufoque comme d'habitude. Et ça fait à moitié arable. Ça c'est bizarre. Oui. Oh purée, il me restait 1 seconde, même 0, quelques millisecondes, c'est incroyable. J'ai eu la one up. Et est-ce que je peux recommencer? Ah oui, je peux recommencer, mais je pense que je ne gagne pas de vie si je regagne. Oh, attention! Faut que je réussisse. Pour voir ce que ça fait. Mais moi je pense que ça ne nous fait rien. Ça fait rien de différence. Je crois qu'on n'aura pas de vie. Sinon ça sera un peu de la triche. Là je réussis. Bon alors ça dit juste le temps. C'est pourri. Ça dit juste le temps donc... Bah voilà, ça sert pas à grand chose. Quoique j'ai l'impression que j'ai gagné deux... Deux sphères bleues. C'est peut-être mon imagination qui me joue des tours. Oh non! Non mais comment on peut réussir à aller jusque là-bas? Oh, c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud, de chez chaud, de chez chaud. C'est chaud bouillant. On va l'esquive. C'est parfait. J'y vais comme ça. Tranquillement. Pas trop vite. Oh oui. Oui, 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 oui. Je stresse. Oula, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique. Je sens la fin du niveau là qui approche. Ah bah oui. C'était le cas de le dire. Yeah. Ouais, c'est quoi ça? Ah, une nouvelle musique. Une musique qui a l'air d'être jouée avec du saxophone.
et des trompettes. Donc, je fais gaffe à ces machins là. Des piranhas, notes de musique, ça fait penser à ça. Si on... monter en haut. Je pense que c'est une salle bonus là. Enfin un passage secret bonus. Ah. Des nuages trampolines. Ah non en fait c'était juste un raccourci je pense peut-être. Je prends le P. Je vais pas m'en priver. Ah c'était peut-être pour prendre le P tiens. Parce que je peux pas aller à gauche. Comme vous voyez, les niveaux ne sont pas très linéaires. Mais il faut que je fasse gaffe. Jump, you try to go your way. Yeah. Merde. D'accord, il n'y a plus de musique. À peu de musique, gros bug. Ouais, je sais pas, les musiques s'arrêtent, hein. C'est très étrange. Elle ne continue pas en boucle. Moi, je préfère quand elle continue en boucle. Yeah. Carrure de beau gosse et corps de beau gosse. Tout pour être un beau gosse. Merde. Et tout pour ne pas être doué aussi. Oula. Oula, ça a l'air d'être un labyrinthe là. Je sais pas trop. J'ai l'impression que je passe dans le même endroit. Peut-être qu'il faut remonter par là. Bon bah, comment on peut passer ces ennemis? Ah bah comme ça. J'ai tout de suite la réponse. Merde. Mais comment on peut passer là aussi? Sans faisant ça. Ouf. J'attends que la note de musique Piranha se barre, mais... Il ne pas se barrer. Oula. Si là c'est bon... Ça m'a l'air d'être pas mal par là, non? Quoique, bah non. Je suis revenu au point de départ. Oh là. Je crois qu'il faut aller là-haut. Quoique, si on fonce comme un taré... Ah bah... Oh non, mais c'était juste ça. Fallait juste foncer tout droit, même si l'endroit était pareil de partout. Oula. Un nouvel ennemi. Ça sent le boss. Yeah! Bon, je crois que je vais sauvegarder après, puisque là... Mais ce nouveau pouvoir, ça sera utile. Et je parle sans parler en fait. C'est très logique. À présent, tes cheveux peuvent faire un hélicoptère pour lancer, pour l'enclencher. Presse, crois deux fois. Waouh. Bon par contre, je sais pas où faut aller. Ah là. Ah, il fait pas l'hélicoptère à l'infini. Attention. Yeah. Yeah, yo, 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 yeah. Great. Et c'est la fin du niveau.
Mais je préfère sauvegarder. Donc, et je préfère aussi arrêter la vidéo parce que... Tout de même, je filme avec Fraps, c'est super lourd. Donc, vous ne voulez pas que les vidéos soient trop longues en fait. La première partie sera sans doute la vidéo la plus longue. Des Rayman parties. Donc, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.